Sonia, quand tu parles de tunnel dans tes expériences, qu'est-ce que c'est? L'expérience du tunnel est une expérience parmi d'autres. Ce que je peux dire de l'expérience, c'est qu'elle n'est pas toujours choisie, pas toujours volontaire. Alors effectivement, je pars dans un tunnel de lumière, un tunnel à grande vitesse. Ça se passe souvent de nuit, de façon imprévue, imprévisible. Étiré au tout début comme un élastique, avec l'impression que quelque chose sort de mon corps, on m'étire et pff, je pars dans ce tunnel. Un tunnel blanc, lumineux, mais d'un blanc qu'on ne connaît pas ici. Et je pars jusqu'à ce que j'arrive là où je dois arriver dans l'expérience. Alors ça peut être le cosmos, ça peut être la vision d'un arbre divin, d'un arbre de vie. Ça peut être la rencontre avec une entité extraterrestre. Ça peut être la rencontre avec un animal totem. Tout dépend de ce qu'on a à apprendre, de ce qu'on doit visiter. Et quand je dis visiter, justement, quand je disais au départ, il faut que l'expérience soit choisie, il arrive aussi que l'on vienne me chercher. Par rapport à ton vécu ordinaire, ces expériences sont-elles liées? Oui, ces expériences sont liées à ma vie ordinaire. Elles en font partie. Elles sont en parallèle, je dirais, l'une à côté de l'autre, quelquefois l'une dans l'autre. Elles ont été là, ces expériences, pendant de grands changements de ma vie. C'est comme si elles appuyaient là où ça fait mal. Elles appuient là où on doit prendre une décision. Je ne l'ai pas compris tout de suite comme ça, mais avec le temps, j'ai su qu'elles m'accompagnaient, qu'elles étaient pour moi des balises. Le point où il faut le changement, c'est-à-dire qu'elles appuient le changement et la direction. Et si avant j'avais peur, pour X raisons, que ce soit d'être manipulée ou de prendre la mauvaise décision, aujourd'hui, par instinct, si on peut dire les choses le plus facilement possible, je suis ce que ces expériences me proposent. Et pas seulement parce qu'elles me donnent de bonnes directions, parce qu'elles font partie de ma vie, intégrante de ma vie, et qu'elles m'ont toujours effectivement guidée vers le meilleur chemin. Alors, ces manifestations interfèrent dans ta vie personnelle? Ces manifestations interfèrent dans ma vie personnelle, je dirais plus dans ma vie individuelle, c'est-à-dire que elles interfèrent d'une façon profonde dans ma vie. C'est-à-dire que c'est pas seulement intervenir ou m'accompagner dans ma vie ordinaire, ces expériences nous plongent dans notre vie intérieure. Et ce qu'elles m'apprennent individuellement est pour moi une source d'enseignement. Si elle pouvait paraître choquante, dramatique pour certaines, hein, parce que c'est pas toujours de belles expériences que l'on traverse, la peur nous gagne hein, dans ces moments-là. Quand on dépasse ce sentiment, quand on va plus loin, hein, quand on retourne dans l'expérience, et là j'y suis retournée de façon accompagnée, en confiance, Je suis retournée dans ces expériences et la peur m'a quittée. Et quand cette peur nous quitte, elle nous emmène très très loin, ces expériences. Elle nous amène à notre conscience, à notre âme, à nous connaître soi, à nous aider à être en lien avec ce que nous sommes, avec notre esprit. Et c'est en vivant avec notre esprit que nous prenons les bonnes décisions, les bons chemins. Si elle nous montre ces expériences, des images choquantes comme des images de catastrophes, d'apocalypse, je suis revenue de voyage anéanti. Avec le travail, c'est tout l'inverse qui rentre
en considération. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le côté négatif de l'expérience, mais la beauté de l'expérience. Et dans l'Apocalypse, dans la destruction, on voit au contraire le renouveau et les solutions. Dans la mort, dans les choses graves, on voit au contraire la vie et la beauté de la vie, la beauté du monde. Ces expériences nous mettent en face de nos responsabilités et ces expériences m'ont amené à aimer la vie, à aimer ce que je suis, à aimer le vivant, à respecter le vivant. C'est-à-dire qu'en voyant le pire, maintenant, aujourd'hui, je ne vois que le meilleur. Et regarder le monde avec ces yeux-là, avec l'ouverture du cœur, c'est regarder le monde avec espoir, et l'espoir impulse le changement. Ces expériences ont plusieurs sources ou une seule ? C'est une bonne question et je me la suis retournée un millier de fois. Il est vrai que ce sont des expériences multiples et que je vois à travers ces expériences différents visages. Je me suis souvent demandé effectivement est-ce que ce sont plusieurs mondes, plusieurs sortes d'expériences. On voit un extraterrestre, un être de lumière, un défunt. On part en voyage dans le cosmos, on voit des images terribles. Et en même temps, je me disais, mais ces expériences peuvent aussi nous mener là où on se connaît le mieux. Et pour rapprocher quelqu'un de la meilleure façon qui soit, est-ce que ce n'est pas en lui montrant ce qu'il connaît le mieux, ce qui pourra le mettre en confiance, ou ce qui pourra le faire réagir, ou ce qui pourra lui montrer les choses comme il est capable de les voir? C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que ces expériences se mettent à notre niveau, hein, tout en nous mettant sur le leur. C'est une méthode efficace. Ces expériences, pour moi, sont différentes, effectivement, parce que je vis multiples expériences. Mais en tout cas, elles ont un point commun, c'est qu'elles me connaissent bien. Et pourquoi pas la même source, une source qui se montrerait de différentes manières, un grand professeur qui connaît bien son élève. Qui vient te chercher et pourquoi ? Je parle d'expériences où l'on vient me chercher. Effectivement, au tout début, j'ai vécu des expériences physiques. Ça se passe dans ma chambre, des êtres sont autour du lit et je peux les percevoir physiquement, matériellement, consciemment, je sais qu'elles sont là. Ce sont ce qu'on appelle des petits gris, des grands blancs, entités extraterrestres. Elles viennent me chercher, m'emmènent dans une expérience. Et je suis toujours revenue de ces expériences. Il y a ce qu'on appelle voilà, des visites comme ça, très matérielles. Mais avec le temps, et ces expériences ont changé sur un autre plan. Je dirais que là, je ne les vois plus physiquement dans ma chambre. Mais je les rencontre dans ces autres univers. Quand je pars dans ce tunnel, je revois ces entités extraterrestre ou lors d'une hors du corps hein, où je quitte comme ça dans la voiture en vacances voilà, je pars, ma conscience part dans d'autres mondes et là je peux rencontrer à nouveau ces entités extraterrestres. Au tout début ça fait peur, effectivement, rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je dirais plutôt quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'expérience est traumatisante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Toutes les questions qu'on peut se poser, on passe par le trauma pendant plusieurs mois.
et le déni pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'expérience revienne, et jusqu'à ce qu'on la comprenne et qu'on l'intègre. Ces entités extraterrestres que je rencontre m'apprennent une chose. Je n'ai pas d'autre réponse que celle-ci. Elles m'apprennent à trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que nous devons trouver tous. L'équilibre dans tout ce que nous faisons, ici, chez nous. Ces êtres, quand on les rencontre, effectivement, ne nous ressemblent pas. Ne nous ressemblent en rien, d'ailleurs. Et ils nous enseignent ce que nous pouvons avoir de meilleur en nous. Dans un des vaisseaux que j'ai pu traverser, il y avait d'un côté toute une technologie que je ne pourrais définir, haute, très haute technologie. Et de l'autre côté de ce vaisseau, une sérénité, la paix d'un temple, l'équilibre. Les deux étaient en harmonie. La paix et la technologie d'un côté. La spiritualité, la science de l'autre. Il est temps de réunir les deux et de trouver l'harmonie. Merci. Donc, Sonia, à l'époque, témoignait, enfin, dans cette vidéo, témoignait à visage caché. Aujourd'hui, elle se présente devant vous. Elle l'assume d'autant plus que c'est elle qui est à l'origine de ce colloque. Donc, on voit aussi un processus de transformation qui est à l'œuvre à la suite de ces expériences. Alors, je voudrais donner la parole à Denise, peut-être pour commencer. Parce que c'est souvent, ces expériences commencent dans l'enfance. Hein, c'est le cas pour Sonia, c'est le cas pour vous, Denise. Allez, ça a commencé quand vous étiez enfant, à 9 ans. À l'époque, vous étiez en orphelinat ou bien en famille d'accueil? Vous aviez été abandonnée par votre maman? J'étais chez mes parents. Alors, bien. J'habitais chez mes parents nourriciers. D'accord. J'avais 9 ans et j'étais restée dans la chambre et mes parents sont allés travailler. Et puis, j'avais un besoin de sortir. Je suis sortie sur la terrasse. Et là, j'ai vu un nuage blanc. Et ce nuage blanc, il y avait un dôme qui sortait. Et quand j'ai regardé ça, j'étais remplie pleine de joie. Un orbe? Pardon? Un homme? Un orbe? Non. Un dôme. Un dôme, pardon. Oui. Oui, Denise vient de Nice, alors, une petite pointe d'accent. Ça y est. J'attends. Hein. Donc, je vois ce nuage, mais j'avais une joie qui me montait, mais une joie. Et puis, j'ai dit, ça y est, vous venez me chercher, je suis contente. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien d'heures, de minutes, de secondes, je ne sais pas. Je me suis réveillée, enfin on peut dire réveillée. J'étais allongée, la tête contre la porte d'entrée, les jambes écartées, les bras en croix. Et je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. À ce moment-là, mon père nourricier me dit... Ninou, il t'est rien arrivé, ça va, tout est bien. Et j'entends une voix qui me dit, surtout, ne parle pas. Tu dis oui, tout est bien. Bon, je répète ce que la voix me dit à mon père nourricier. Donc mon père nourricier est redescendu au jardin et moi je suis rentrée chez moi. Au bout de quelques temps, j'ai fait un coma. Je suis restée pendant 5 jours dans le coma.
Et j'avais le docteur Soulier qui, lui, était venu me consulter. Et il a dit à ma mère, c'est bizarre, on dirait que votre fille, elle a été piquée par la mouche tsetse. J'entendais tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas bouger. Mon corps, c'était comme une chope. J'étais carrément lourde, même pas le doigt, le petit doigt, je ne pouvais même pas le relever. Et à l'intérieur de moi, je criais, je disais, mais je vous entends, je suis vivante. Alors, ce qui fait qu'au bout de 5 jours, je me suis réveillée, j'ai appelé ma mère, nourricière, et elle est venue, et elle m'a dit, ça y est, t'es réveillée? J'ai dit, oui, porte-moi à manger. Et puis la vie, elle a continué et j'ai eu d'autres expériences. D'accord, donc première étape, on va y revenir ensuite. J'aimerais qu'on entende Bérangère pour voir si ça fait écho aussi. Ça a commencé également dans l'enfance pour vous? Oui, moi ça a commencé petite. J'ai vu vers l'âge d'une dizaine d'années, enfin avant, je vais être plus petite, j'ai vu des lutins, des petits lutins qui jouaient sans maman sur ses genoux. Et c'était donc la nuit. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est maman, il y avait des lutins qui jouaient sur toi. Et j'ai eu peur qu'ils te réveillent. Et maman me dit, attends, ne bouge pas. Elle va à la bibliothèque, elle revient avec un livre, elle ouvre, elle dit, c'est eux. J'ai dit, oui, c'est eux. C'est bon, t'inquiète pas. Et elle a remis le livre dans la bibliothèque. Et donc voilà, ça a été le début, en fait, hein, le début d'un tas de choses qui sont arrivées, qui arrivent et qui continuent. Donc là, c'est la vision d'être ce qu'on appelle des êtres de la nature. Je ne pense pas que ça soit des êtres de la nature. Hein. Les lutins, je pense ça que fait partie de ce registre fait. Folklorique, là. Mais d'ailleurs, c'est Jacques Vallée qui avait fait le lien avec les extraterrestres. Donc comment est-ce que c'est devenu une expérience plus de nature, de contact? Parce que je pense que les lutins sont en fait des petits gris, mais vus par les yeux des enfants, on ne peut pas faire peur aux enfants, donc ils se présentent sous une autre forme, plus sympathique, tout simplement. D'accord, et donc ensuite ça s'est reproduit pendant l'enfance ou à l'adolescence? Non, pas à l'adolescence, j'ai eu des expériences paranormales et puis ça s'est reproduit en 81, ça s'est reproduit, enfin consciemment, je me rappelle en 81, je me rappelle en 97 avoir vu des petits gris, j'étais paralysée, je me suis soulevée à l'horizontale, enfin j'ai lévité, je suis sortie par la fenêtre fermée, les pieds devant. Et puis voilà, je me suis retrouvée sur une table, on m'a fait des prélèvements, enfin c'était pas des prélèvements d'ailleurs, gynécologiques, et donc voilà. D'accord, donc là l'expérience d'abduction assez classique entre guillemets. Assez courante, je dirais. Assez courante, voilà. Très bien, et alors Charles, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire aussi, juste en tout cas les prémices pour qu'on voit aussi quels sont les parallèles qu'on peut faire? Bien sûr, vite fait, parce qu'après, je voudrais passer au-delà. Alors, ça a commencé, j'avais 7-8 ans, donc ça devait être la vague 54. Donc, j'en ai 71, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Un objet lumineux arrive de ma droite, un truc magnifique, oblong, long, de toutes les couleurs. L'engin passe, peut-être 200 mètres de hauteur, s'arrête, alors, stationne. Stationné en plein ciel, c'est quand même bizarre. Une gerbe de feu à l'arrière. Il avance. Il stationne. Et ça, peut-être 4-5 fois. Ça a duré un certain temps. Et d'un seul coup, plus rien. Bon. À l'âge que j'avais, j'étais en pleine campagne. Je ne sais même pas si on avait déjà la radio à l'époque. Je rentre à la maison, je raconte mon histoire à mon grand-père. Mon grand-père, il me dit, ça, c'est encore une connerie des Russes. Ben, gamin, je mets ça dans ma poche, mon mouchoir par-dessus, et voilà, parti, c'est une connerie des Russes. Oui, mais voilà. En 1976, je reviens de cueillir des moules. Mon histoire, vous pouvez la trouver, parce que ce serait très long à expliquer. Je reviens de cueillir des moules au mois de novembre. Et ce jour-là, le soleil se couchait à 17h51. Qu'est-ce que je vois au loin, 700-800 mètres sur la droite, dans la plaine? Un gros truc lumineux. Je me dis, tiens, le cultivateur travaille bien tard ce soir. J'avance, continue à rouler. Je dis, tiens, un tracteur, une remorque en feu. Oui, mais quand je suis arrivé à 300-400 mètres,
de la chose, parce que je ne peux pas dire que c'était un ange, je n'ai vu que des lumières, c'était magnifique, c'est beau à voir, je vous souhaite de le voir. Me voilà paralysé dans la voiture. Impossible, je ne conduisais plus ma voiture. Ma voiture roulait, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas moi qui pilotais la voiture. En arrivant devant, par télépathie, ce sont des extraterrestres, Et tu ne diras rien, mais d'une force incroyable. Bon, je passe, je me sens libéré, je reprends mes mouvements, je me dis, tiens, je vais faire demi-tour pour aller voir ce que c'est. Hop, chape de plomb sur les épaules, continue ta route. Oui, mais voilà, je rentre à la maison, j'avais un jeune homme avec moi. Je dis à mon jeune homme, au jeune homme, et je dis, tiens, prends-tu l'apéritif? Il me dit oui, je dis donc, je prends un petit martini, puis moi je sais plus ce que j'ai pris. Mon épouse ne me dit rien. Sors les moules, on cueille les moules, on les met au frigo pour le lendemain. Mais le lendemain, il me dit, il y a problème. Je suis rentré à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ça a été, disons, 20 ans de recherche, de questionnement. Parce que devant rentrer au plus tard à 19h, me voilà à la maison à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai demandé à faire une régression hypnotique que j'ai faite après, et si j'ai le temps, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Et finalement, ça a continué pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça continue, mais c'est moins intensif. Et ce que j'ai eu, j'ai reçu à cette époque-là un moyen d'initiation et qui continue encore aujourd'hui, ce qui permet de soigner les enfants. Je n'en fais pas mon métier, c'est un don. Merci. Peut-être Sonia peut prendre la parole pour nous confirmer effectivement que c'est un chemin de vie, c'est un parcours, en fait, c'est un questionnement, comme dit Charles, un questionnement incessant. Est-ce qu'on finit quand même par avoir des réponses? Oui, une fois qu'on est dans l'acceptation du processus, oui, on commence à avoir ces réponses individuelles et ensuite collectives. Hein. Je pense que cette initiation, elle n'est pas que pour soi, elle est à partager avant tout. Moi-même, je suis restée très longtemps, on parle d'années, mais on parle d'années avant de comprendre de ce qui nous arrive. Moi aussi, ça a commencé dans l'enfance. Et puis aujourd'hui, je dirais même encore que je suis qu'au stade du bébé. J'apprends toujours et je continue à avoir des expériences qui sont maintenant déployées au niveau de la conscience. C'est quand on rentre en dialogue avec soi, avec son esprit, sa conscience, peu importe le mot qu'on lui donne. Voilà, on déploie son champ d'expérience. Il se trouve que pour moi, c'est multiple, mais chaque expérience a une réponse à me donner dans ma sphère intérieure, ma sphère personnelle, familiale, environnementale. Et je dirais que le processus au niveau collectif est du même ordre. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se déployer. Moi, le message donné, c'est simplement partager, fédérer, créer un mouvement d'écoute, de dialogue, d'information autour de ces capacités. Moi, j'aime pas le mot, en tout cas de ces expériences, et savoir collectivement ce qu'on peut faire. Alors Nicolas, j'ai été frappé dans le témoignage de Sonia par l'expérience du tunnel, parce que moi je m'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente, et forcément il y a quand même cette image du tunnel, c'est l'archétype de l'expérience de mort imminente. Il y avait ce psychologue donc américain Kenneth Ring qui avait fait lui-même le rapprochement entre les expériences d'enlèvement et les expériences de mort imminente. Est-ce qu'on n'est pas face au même phénomène finalement qu'on interprète selon des grilles de lecture différentes, mais que fondamentalement c'est la même chose? Oui, alors avant de répondre à ta question, je veux juste remercier Charles, Bérangère, Denise, Sonia, parce qu'ils viennent vous confier des aspects de leur expérience et que c'est des aspects parfois très intimes, que c'est pas facile, l'espace de parole il n'est pas encore ouvert en France, on est en train de l'ouvrir, et vraiment merci pour votre courage, et je vous demanderai s'il y a, pour ma phase de questions, s'il y a des questions, de respecter aussi des aspects qui peuvent être un peu intimes parfois à livrer comme ça ou à déplier, quoi, voilà. Ceci étant dit, par rapport à ta question, Jocelyn, sur le lien entre les abductions et puis les NDE, moi je pense qu'on peut faire des ponts avec toutes les expériences en état modifié de conscience, en fait.
Ce qu'on essaie de transmettre depuis le début, c'est effectivement le lien entre la conscience et les ovnis, mais au-delà du lien entre la conscience et les ovnis, le fait que notre vision du monde matérialiste doit cesser pour ouvrir une vision du monde où la conscience prend une place beaucoup plus centrale, quoi. Et à partir de cette vision de la conscience, pour laquelle Philippe a des propositions physiques, et puis on ouvre et on réfléchit tous ensemble à partir de tout un tas de points de vue, évidemment qu'on commence à voir se dessiner des schémas, des ponts entre, par exemple, l'expérience de mort imminente, effectivement, qui est très délocalisée en fait, de la matière, et puis l'expérience de contact avec des entités qui elles-mêmes sont sans doute assez, disons, pas indépendants de la matière, mais en tout cas qui ont trouvé le moyen de s'annexer des lois dans lesquelles nous on s'inscrit en fait. Voilà. Après sur l'archétype du tunnel, en fait, Romuald pourrait en dire quelque chose aussi parce que c'est comme un archétype, un schéma de passage. D'ailleurs, le mot trans signifie traversée, passage, voyage, et je dirais qu'il signifie le passage d'un état de conscience vers un autre. Ou en physique, il nous en disait quelque chose, Philippe hier. Avec les trous de verre, les trous noirs. Avec. Après, moi, je ne suis pas du tout compétent en physique. Mais voilà, je dirais ça. Après, la rencontre d'êtres dans les NDE, il y a des points de passage qui, pour moi, sont liés à la nature de la conscience, en fait. Moi, personnellement, je ne ferai pas plus de ponts que ça, sauf à dire qu'on est en lien avec des altérités, voilà, et d'autres plans de conscience. Voilà. Oui, le propos de Kenneth Ring, c'était de dire comment on distingue entre un être de lumière et un être extraterrestre, et que finalement, cette distinction n'a plus vraiment de sens. C'est d'ailleurs un peu ce qui est défendu dans le livre OVNI et conscience. Alors, sur l'aspect quand même thérapeutique, ou en tout cas, bon, toi, tu reçois des gens qui viennent te raconter ces expériences-là. Est-ce que quand ils te posent la question, s'ils te la posent, pourquoi moi ? Est-ce que tu as une réponse à donner ? Pourquoi eux ? Non, pas du tout. J'ai pas de réponse actuellement, non. D'accord, ça c'est clair. Alors, mais je l'invite à peut-être à accueillir le fait que c'est vous, alors il va falloir faire avec ça. Voilà, il faut faire avec ça. Alors Denise, la suite de votre expérience, c'est qu'il y a un aspect qui, non seulement qui se répète dans la vie, mais qui se répète aussi à travers les générations. Donc vous avez ensuite découvert que votre maman avait elle-même vécu ce type de phénomène. C'est-à-dire que j'ai maman... Elle, pendant sa jeunesse, c'était pendant la guerre, elle a rencontré, non, elle était petite, elle avait 9 ans, et alors elle était en train d'arracher de la rave avec ses parents, et puis le ciel était très très pur, et puis c'est elle qui me racontait ça, le ciel était pur, et il y avait un seul nuage. On parle de votre maman que vous avez cherchée pendant 50 ans, c'est ça ? Et que vous avez, c'est votre maman que vous avez cherchée en fait pendant 50 ans, que vous ne connaissiez voilà. pas, là, je vous que vous avez trouvée. Voilà, et quand vous l'avez trouvée, elle vous a raconté ça. Voilà, c'est ça. Alors, elle m'a dit, tu sais, il y avait un beau nuage gris, mais c'est drôle parce que il me... Je n'ai pas l'habitude. Et alors, elle me dit... ce nuage, il était là, il me parlait. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ben, il m'a dit que plus tard, j'aurai quelque chose de merveilleux qui va m'arriver, mais qu'il ne fallait pas qu'elle en parle. Alors, j'ai dit, tu sais, ce message que tu as reçu, c'est le même que le mien. Alors, elle me regarde, et puis elle me dit, ah bon ? J'ai dit oui. Et c'est là où elle m'a dit que le nuage lui avait prédit quelque chose de merveilleux. Elle m'a dit, je pense que c'était toi, mais je n'ai pas su le saisir. Donc elle m'avait abandonnée. Alors je lui dis, oui, ça doit être ça. Tout ça, elle m'a révélé avant de partir définitivement, quoi. Et puis, c'est un peu dur de parler de ça. Alors, ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle m'a dit, tu sais, je ne pensais pas que j'avais un vrai trésor et c'est toi. Alors, je lui ai dit, excusez-moi.
Excusez-moi. Alors, si vous voulez, on fait une petite pause, on passe la parole à Bérangère sur cet aspect. Vous reprenez la parole ensuite, Denise. Pardon ? Vous reprenez la parole ensuite. Ah, c'est bon. Ah, pardon. Alors, Bérangère, c'est la même chose en fait qui s'est passée pour vous, ou il y a des différences quand même ? Mais il y a aussi l'aspect qui se répète à travers les générations. Non, moi, je vais dire que maman a été abductée. Mon grand-père, on suppose. Moi, mes frères et sœurs, ça c'est sûr. Mes enfants, ma belle-fille. Et certainement mes petites filles. Ça, c'est... Voilà. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire avant tout, c'est que c'est un échange. Ils ont pris des choses, ils nous ont enlevées. C'est pas forcément facile, hein. Mm-hmm. Mais ils nous donnent aussi beaucoup. Enfin, moi, personnellement, ils m'ont beaucoup donné. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Ils m'ont appris à m'aimer, parce que vous pouvez pas aimer si déjà vous vous aimez pas. Donc ils m'ont appris à m'aimer, à aimer les autres, et ils m'apprennent la compassion, parce que je pense que la compassion, on l'apprend tout au long de sa vie. Et éventuellement, quand vous le voudrez bien, je raconterai ce qui m'est arrivé au mois d'octobre, pour vous montrer, au mois de septembre, pour vous montrer le genre de choses qu'ils m'apprennent. Allons-y. Donc, en septembre, comme tout un chacun, hein, j'ai des problèmes. J'ai dit toujours, d'ailleurs, on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. Mais au mois de septembre, c'était le problème de trop et je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, j'étais à bout, ce n'était pas possible. Donc j'aurais dit, parce que maman me disait toujours, quand tu as besoin, enfin me disait après sa mort, hein, me disait quand tu as besoin, tu les appelles, tu leur demandes qu'ils t'aident. Ils sont là pour toi, ils sont là pour te donner des réponses, pour te donner l'amour dont tu as besoin. Donc j'aurais dit, en septembre, j'aurais dit, stop, je ne peux plus. Il me faut une réponse ou il me faut une aide, je ne peux pas continuer comme ça. Et je me suis couché sur cette question, sachant que j'aurais une réponse. Et à 3h du matin, je me suis levée, j'ai éprouvé le besoin d'aller dans la cuisine, à la fenêtre, et là j'ai vu une boule de lumière vivante. Elle avait une conscience, elle était vivante, elle était pleine d'amour. Je l'ai reconnue, parce que je l'avais vue quelques années auparavant, quand mon frère est décédé. Et je l'ai vue passer doucement devant moi, et puis elle a disparu. Et là, j'ai eu une montée de joie, de bonheur. J'ai pleuré, mais un bonheur intense. Je l'ai retrouvé, en fait. J'ai retrouvé cette conscience que j'avais perdue et qui était là pour me rassurer et qui m'a expliqué qu'il fallait aimer ses peurs comme il fallait aimer ses ennemis. Que seul l'amour est la solution. Les gens qui vous font du mal, ce sont des gens malheureux. Les gens heureux, ils ne font pas de mal à personne, ils sont heureux, ils sont dans leur bonheur. Et les problèmes, c'est la même chose. On est venu sur Terre pour apprendre. Pour savoir qu'on est riche, il faut d'abord être pauvre. Et donc, apprendre, on l'apprend que dans la douleur. On ne peut pas apprendre dans le bonheur. Donc, tous ces problèmes, ils m'en ont mis un, ils m'en ont mis deux, ils m'en ont mis trois, je ne comprenais pas. Ils m'en ont mis 12. Et là, ils m'ont dit, tu vas comprendre. Ah ben, j'ai compris. Ils m'ont dit, la solution à ton problème, c'est d'aimer. Aimer tes problèmes. Aimer tes problèmes, c'est résoudre la moitié du problème. Et il faut apprendre à aimer. Et il faut apprendre à donner. Voilà, ça c'était ce qu'ils m'ont dit au mois de septembre 2016. Aimer ses problèmes, aimer ses peurs. Oui, effectivement, je pense que peut-être la peur, c'est le frein universel, c'est l'obstacle qui empêche d'intégrer l'expérience. Oui. Denise me disait en préparant cette table ronde aussi que, en fait, vous étiez prévenu à chaque fois que vous alliez avoir un contact, comme pour être rassuré, justement, pour que la peur soit diminuée, en quelque sorte, et pour être peut-être plus réceptive au message. Que vous étiez prévenu à chaque fois que vous alliez avoir un contact, en fait, vous étiez prévenu à l'avance. Ah oui, d'abord, ils avertissent. Ils avertissent, oui. J'étais en train de dire ce qu'ils m'avaient dit, parce qu'ils m'en ont tellement dit dans la tête. Là, j'ai un trou. D'accord. Donc, le message, en tout cas, c'était sur le risque nucléaire, comme on l'a vu hier avec Najib, bien sûr, et comme ça revient souvent sur le danger nucléaire. Oui, c'est sur le truc du nucléaire. Oui, c'est vrai. Ils m'ont dit qu'il fallait que les humains devaient cesser de manipuler les armes nucléaires. Donc, je vous parle de ça, c'était en 1980. Et le... Et le
Et les choses sont toujours la même chose, ça ne change pas, c'est toujours le nucléaire. Voilà, ils disent qu'il faut arrêter de manipuler le nucléaire. Parce que ce qui résonne, c'est comme moi, si je vais chez vous et je tape dans la porte pour vous embêter, et vous sortez, vous me dites, oh, tu te calmes, oui, un peu ailleurs. Hein? Eh bien, eux, c'est pareil. Voilà, ils disent que s'il y a des trucs, des bombes nucléaires ou quoi que ce soit, ça va tout désorganiser le système solaire. Voilà. Merci Denise, je voudrais qu'on donne la parole à Charles aussi parce qu'il a des messages aussi à faire passer. Au-delà de l'expérience vécue, il y a des enseignements en fait à travers tout ça. Alors pour vous rassurer déjà, pour répondre à Denise, j'habite à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire. Sachez que nos visiteurs sont là pour nous aider. Bon, pour comprendre ce que j'avais vu, les trois heures manquants, j'ai fait une régression hypnotique en 1996. Grâce au commandant Jean-Gabriel Grélé. Alors, là, c'est sous régression hypnotique. Je suis rentré dans l'engin, j'ai monté 4-5 marches. Il y avait un aide sur ma droite qui m'a accueilli très, très, très gentiment. Je suis rentré, j'ai du mal de dire le vaisseau parce que vous comprenez pourquoi après. Dans un couloir. Je rentre dans une pièce. Il y avait une table d'opération. J'enlève mon pantalon, comme si j'avais été habitué d'y aller. Je m'allonge. Il y avait 3 êtres sur le côté. Et tous ces êtres, ils étaient 5 parce que le grand chef était arrivé après, ils avaient les oreilles pointues qui arrivaient à hauteur du crâne. Voilà un chirurgien. Je dis appeler un chirurgien. Il sort de ma droite, mais il sort d'où, je ne sais rien. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien, je n'ai rien vu. Voilà l'être plus grand que les autres qui arrive avec une seringue à la main. Bon, mais un implant dans la jambe. Et l'implant, ça c'est la vérité, c'est vrai, puisque je l'ai, et il a été activé pendant une 20aine d'années, donc j'ai bien eu l'implant. Maintenant, après en ressortant, j'ai discuté avec l'être qui était dehors, enfin sur le perron, mais longtemps, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, nous avons discuté longtemps, donc... Après, par recul, je me suis dit, là, il y a une initiation à venir. Et j'ai réfléchi un petit peu à ce vécu. Je monte des marches, je ne sens rien. Rien de matériel sous mes pieds. Je m'allonge sur la table d'opération, je ne sens rien. Aucune consistance. L'être, le chef, le chirurgien qui sort de je ne sais où. J'ai dit, là, il y a quelque chose. J'ai dit, où j'étais parti? Alors maintenant, je me pose la question, donc vous voyez, ça fait 40 ans, je me pose la question, est-ce que j'étais dans un monde réel, dans notre monde, ou est-ce que j'avais passé une porte, le voile, et que j'étais à côté, disons, ben, de la porte d'à côté. J'étais parti dans une autre dimension. Si je vous dis cela, c'est parce que j'ai eu plusieurs expériences. Et j'ai réfléchi à ces expériences. Et à chaque fois, avant l'expérience, je suis quelqu'un... Je suis ailleurs. Je suis zen. Je suis bien. Et c'est là que les choses m'arrivent. Alors là, maintenant, je cherche toujours à comprendre ce phénomène. Quel est... Est-ce qu'à un certain moment, je suis capable de rentrer dans une autre dimension? Ou est-ce que cette autre dimension vient à moi? Voilà toute la question. Merci beaucoup. Alors Nicolas, justement, comment est-ce qu'on fait pour écouter, enfin avec les oreilles j'imagine, comment est-ce qu'on fait pour accompagner des expériences comme ça? Et justement, cette grille de lecture que nous a présentée ce matin Romuald, j'ai l'impression que ça ouvre d'autres perspectives aussi pour les expérienceurs eux-mêmes et aussi pour le thérapeute et le chercheur que tu es. Concernant la grille de lecture chamanique, bon, moi, ce que je retiens de ce matin, c'est aussi l'absence de cadre, en fait, de référence que donne un rituel, en fait, qui permet de donner du sens et de la direction, en fait, à ce qui se passe, en le replaçant dans une intentionnalité. Moi, ce que je pourrais dire pour l'accompagnement, déjà, c'est de
Avec le deux, je dirais, il y a un peu deux pieds. Le premier, c'est de pouvoir considérer le potentiel initiatique de l'expérience. Je parle bien en termes de potentialité, c'est-à-dire ce que la répétition des expériences ouvre comme potentialité de croissance, en fait. Là où je posais hier que, pour ma part, je ne fais pas le pas de donner une intentionnalité aux aides qui serait initiatique. Ça, je ne sais pas, je le laisse dans la neutralité. Mais en tout cas, je mets l'accent sur la capacité de l'humain que nous sommes, en fait, à en faire quelque chose d'initiatique et à ouvrir une surface de relation plus vaste avec ces êtres, en fait, et puis avec la vie, je dirais. Ça, c'est la première question. Et là, le deuxième aspect au niveau de l'écoute du thérapeute, du psychologue qui va accompagner ces expériences, c'est d'aider à relier, en fait, les aspects de l'expérience, y compris des aspects qui peuvent paraître très étranges, en fait, et qui généralement questionnent les ufologues en disant mais c'est du grand n'importe quoi, mais ce que cette personne raconte, ça ressemble à de la comédie ou ça ressemble à du rêve, c'est un scénario assez onirique, en fait, parfois ça ressemble vraiment à du rêve, mais un scénario onirique qui se produit vraiment dans la réalité extérieure, hein. Les rencontres se produisent bien, les synchronicités arrivent bien, les étrangetés aussi arrivent bien. Il ne s'agit pas de personnes psychotiques qui sont en train de nous raconter un délire, en fait, même si la forme pourrait paraître un peu délirante, en fait, hein, pour qui a l'habitude d'entendre des scénarios délirants. Et là, sur ce point-là, en fait, c'est d'aider à décoder, c'est-à-dire à ramener dans l'histoire personnelle. Hein. Cet aspect-là, en fait, ramène à l'histoire personnelle. Par exemple, hier, dans le témoignage de Myriam, Jean-Jacques faisait l'écho, en fait, tiens, tu vois, ces êtres qui ressemblent à des cosmonautes, en fait, ils ont une plantation de cosmonautes et tu es passionné d'astronomie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un signifiant qui est personnel, ou ce que disait Bérangère, c'est-à-dire ces petits êtres, moi, aujourd'hui, de ma lecture d'aujourd'hui, qui n'est plus la lecture de la petite fille, j'ai l'impression que c'était la forme, l'interface avec laquelle ils entraient en relation avec nous. Hein, et que cette notion d'interface, là, pour le coup, je refais pont avec Romuald sur l'interface de communication, même si, moi, de mon point de vue, le psychologue que je suis et l'ethnologue que tu es, on pourrait discuter sur le fait que, est-ce que les Incas ou les humains désignent une intégration, en fait, ou désignent simplement une autre grille de lecture, c'est-à-dire comment moi, je continue à mettre de l'interface envers l'altérité. C'est tellement difficile de rencontrer l'altérité pour ce qu'elle est, quoi. Voilà, donc je laisse ça en question. Mais pour l'accompagnement, donc, l'aspect du potentiel initiatique, d'accompagner ça, c'est-à-dire dépasser le trauma pour en faire un parcours initiatique. Et puis l'autre aspect, c'est aider la personne à réintégrer la dimension psychologique qui est là dans les expériences, hein, qui fait écran. Voilà. D'accord. Très bien. Alors peut-être un mot de conclusion de chacun, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. Sonia, tu veux dire un mot de conclusion, un peu général aussi, et en réaction peut-être à ce que vient de dire Nicolas ? Oui, ben Nicolas, c'est une grande histoire. Il m'a accompagnée, je parlais du toboggan tout à l'heure. Mais voilà, il a été la main d'accompagnement dans ses expériences. J'ai une chose à dire, effectivement, hein, on va revenir à la peur, mais et normal, hein, face à ces mondes inconnus. Alors, plus on a peur et plus l'expérience est terrible, effectivement. Et plus on travaille ça, et plus on se dit, bah, de toute façon, il faut se préparer à la prochaine. Et puis, on la pressent, la prochaine. On sent, de toute façon, physiquement qu'il se passe quelque chose. Et quand on travaille accompagné par un thérapeute, ben, on décante, hein, chaque expérience. On soulage, hein, c'est libératoire de pouvoir parler de ces expériences. Donc, au fur et à mesure, on est apaisé, soulagé. Et effectivement, à la prochaine expérience, on la vit différemment. Et l'expérience que j'ai connue après un long travail avec Nicolas fut totalement différente. C'est-à-dire que, pour parler de celle du tunnel ou d'autres, mais quand on sent, voilà, arriver l'expérience et qui, normalement, enfin, avant, était traumatisante, là, on se dit, bon, allez, là, tu sens, il va arriver quelque chose, alors lâche tes peurs. Fais confiance à l'expérience, puisqu'après tout, tu es toujours revenu, hein, tu vas bien, ta famille va bien, on va bien, donc pour une fois, lâche, vas-y, prends le tunnel, fais-toi plaisir, vas-y, hein, prends le toboggan. Ouh. Et ben, ça a été extatique, ça a été merveilleux. Je me suis retrouvée dans le cosmos avec cette légèreté d'âme, cette légèreté d'être,
Je suis le cosmos et le cosmos est moi. Je suis dans le tout et avec un apaisement et un amour absolu. Le danger a été de vouloir y retourner. Mais bien évidemment qu'on y retourne, mais on n'y rencontre pas toujours la même chose. Et ce qu'on doit rencontrer ou qui on doit rencontrer, ou en tout cas ce que l'expérience vous donne et vous propose, et ben, c'est avant tout un travail. C'est pas avant tout vivre une expérience et c'est un peu comprendre quelque chose et voilà, rentrer en délire et on se fait plaisir. Non, du tout. On rentre dans l'expérience, mais on rentre en travail. Et après ce travail, eh bien, on décode les informations personnelles, intérieures et on déploie. Moi, je dirais que l'accompagnement est nécessaire à partir du moment où on vit mal l'expérience. Elle nous apprend, l'expérience accompagnée à intégrer l'expérience extraordinaire à nos vies ordinaires, c'est-à-dire à les partager, à les intégrer dans nos vies ordinaires, à en faire quelque chose, à trouver un équilibre avec ça. On peut vivre tout à fait naturellement, moi j'ai une famille, un travail, en vivant des expériences comme celle-ci. Oui, c'était le mot équilibre qui était le mot-clé de la vidéo aussi. Alors très bien, merci beaucoup. Peut-être qui veut dire un mot de conclusion, Bérangère, Charles ? Moi je dirais juste... La phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, pour rassurer les contactés ou les futurs contactés, moi, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, pour moi, c'est formidable. Ça m'a apporté une grande vie avec les animaux, les oiseaux, avec la nature. Et le plus dur, le plus difficile, c'est de vivre à cheval sur ces deux mondes, car nous ne sommes pas toujours compris par les autres. Merci beaucoup, j'espère que vous l'êtes un peu plus grâce à cet échange. Merci infiniment. On peut se prendre un petit temps de questions-réponses si vous souhaitez. Et puis on va décaler un petit peu le programme. Alors, soit on fait cet échange public, soit on vous le ferait en privé. Alors, je vois une question là-bas. Alors, c'est... Merci. Bonsoir. Ma question, c'est... ils vous ont tous demandé de vous taire, de ne pas raconter. Pourquoi est-ce que vous racontez maintenant ? Oui, mais disons que pendant 9 ans, j'ai eu l'interdiction de parler, mais cela c'était en 1976. Et à l'époque, parler de ce phénomène, nous passions carrément pour des illuminés. Et il fallait aussi, je parle de moi, hein, je pense que pour mes collègues c'est pareil, et il fallait aussi que je comprenne, que j'arrive à décortiquer ce que j'avais vu, que je comprenne ce qui m'arrivait. Donc je ne pouvais pas en parler, j'aurais dit des bêtises par rapport à aujourd'hui. Ma question, elle est mal posée, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont demandé de vous taire ? Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parce que peut-être il était trop tôt pour en parler aux personnes. C'était à moi de le vivre et non aux autres. Autre réponse ou on passe à la question suivante ? Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec Charles. D'accord. Question de monsieur. Oui, c'est à monsieur que ma question sera portée. Vous avez dit pendant votre récit que vous habitiez non loin d'une centrale nucléaire, n'est-ce pas ? Voilà. Pour en revenir à ce que disait madame il y a quelques secondes par rapport à sa question, aujourd'hui on vous demande de ne pas en parler. Donc aujourd'hui nous savons tous que nos centrales nucléaires en France sont... plus ou moins visité, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui secret. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que tous les vols et les survols de notre territoire français par notre aviation, ces engins sont équipés en nucléaire. Les pilotes ont vu
des choses non identifiées, comme on va les citer là maintenant, mais par le secret défense, rien n'est révélé. Donc non, mais... ça ramène un petit peu à la question de madame. Pardon. Je vous écoute. Pardon. Non, disons, quand j'ai parlé des centrales nucléaires, c'était en aparté. Ah, parce qu'à l'époque, en 1976, la centrale de Paluel, était... les travaux ont commencé en 1977. Donc, ça, ce que j'ai vécu à l'époque, ça n'a rien à voir avec la centrale nucléaire. Bon, aujourd'hui, la centrale nucléaire existe. Je connais une personne qui travaille à la sécurité. Je ne peux pas la citer parce que j'ai des infos qui m'arrivent. Il me dit, écoute, Charles, ben, parfois, on ne comprend pas. Tous les voyants se mettent au rouge. Parce que vous savez qu'à Paluel, il y a quand même un morceau de 400 tonnes qui s'est cassé la figure. Hein. Et le redémarrage de la centrale de Paluel a été négocié avec la fermeture de Fessenheim. Parce que la tranche 2 ne devait pas redémarrer. Elle va redémarrer avec un engin qui se casse la gueule de 400 tonnes. Ça doit faire mal. Alors il me dit, par moment, tous les voyants se mettent en rouge. On ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, il me dit, j'ai l'impression de ne pas être seul dans le local. Et puis, d'un seul coup, tous les boutons se remettent au vert. On ne comprend rien. On recherche. Les ingénieurs, ils viennent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tout est réparé. Tout marche correctement. Oui, vous voyez, malgré la sécurité de ces centrales, où là où on pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à la sécurité, et là, vous dites, tout redevient normal. Non, mais moi, c'était pas mon sujet, la centrale. Oui, non, mais j'ai bien compris. Ce n'était pas mon sujet, mais... il est certain que les centrales vieillissantes, maintenant, vous savez que pour changer une pièce, il faut attendre qu'il y en ait 100 d'usées, il faut passer un marché. Pendant ce temps-là, la mécanique dérouille. Hein. Ouais. Je ne veux pas en dire plus. Merci. Dérouille, elle si, rouille. Si tu veux bien, je vais juste mettre un petit commentaire par rapport aux deux questions sur l'interdit de dire. En fait, d'abord, c'est pas quelque chose qui touche tous les expérienceurs. Moi, j'entends pas tous les expérienceurs nous dire, il y a un interdit de parler. Souvent, l'interdit, il est plutôt auto-posé, c'est-à-dire dire rend réel. Et que c'est suffisamment difficile d'accueillir que j'ai vécu l'expérience, parce que même si elle n'a pas été... évidemment, elle peut être traumatique en elle-même de par les fractions, de par etc. Mais elle est traumatique de nature aussi. C'est ce que John Mack, le psychiatre, appelle le choc ontologique. Ça veut dire que c'est l'ontologie même, la nature même de l'étrangeté est choquante. Donc le fait d'accueillir que j'ai vécu ça... et de le nommer, en général, bon, bah, il peut y avoir différentes étapes à passer. Après, quand c'est posé de l'extérieur, ce qu'amènent les expérienceurs, souvent, c'est d'abord que c'est pour un temps donné, et qu'ils ne peuvent pas vraiment transgresser ça. Il me semble, Charles, que pour toi, ça pendant des années, tu ne pouvais vraiment pas même dire, et que ce n'était pas seulement le contexte extérieur, mais peut-être je me trompe en ce qui te concerne, et qu'à un moment, cet interdit se lève de l'intérieur, en fait, hein, et que là, la parole devient possible pour transmettre, en fait. Maintenant, je poserai aussi une autre hypothèse. Si il y a une dimension de guidage, s'il y a une dimension de guidage, ça peut être aussi par protection de la personne. N'en parle pas, parce que ça va être plus compliqué pour toi aussi. Et que c'est pas seulement forcément pour les autres, mais pour toi, dans ton itinéraire personnel, garde ça pour toi, chemine avec ça, et ensuite, quand tu seras prêt... Voilà, là, c'est des hypothèses. Hein. Mais je tiens à dire que ce n'est pas pour tous les expérienceurs comme ça. Merci. On a une question ici au fond de la salle. C'est une question pour Charles encore. Désolée. C'est par rapport à l'enseignement que vous avez reçu, notamment le soin aux enfants. Est-ce que vous avez intégré ces connaissances et compris ces connaissances pendant l'expérience, ou est-ce que c'est arrivé après sous forme de prise de conscience diverse et C'est un cheminement. Cheminement. On commence par des petites choses. Ces petites choses, il faut comprendre autre chose. On va un peu plus loin. On essaie, c'est pas que j'essaie, parce que c'est comme si j'étais guidé pour le faire. Ça marche. Je continue. Et aujourd'hui, je pourrais dire, j'arrive à faire des miracles. Et moi, je ne me fais pas payer, je ne suis pas un professionnel. Moi, une personne ou deux, ça me suffit. Et parce que mon bonheur, mon salaire, moi, c'est de voir les gens heureux. Donc,
J'avais un métier à côté. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je n'ai pas besoin d'être payé. Et mon salaire. Donc, quand je remercie, on va dire, le divin, je ne veux pas rentrer dans un système religieux, le divin. Eh bien, en remerciement, ce que je dois faire, c'est d'aller soigner quelqu'un d'autre. Donc, c'est une chaîne sans fin. Mais ça me convient très bien. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous.